protéger l'objectif. On se crée de pied en canard. C'est la chenille qui se prépare. En voiture les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille. Pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux. Crie la chenille et le bon Dieu. Si tu crois que je t'ai pas vu faire ta petite ingénue. Avec vos histoires de nana, on va être en retard. Voilà le chef de gare qui nous fait. Hey, Kool-Aid and frozen pizza. It's the work of art, I ain't like a Mona Lisa. Dream of rockin' crowds, see me filling up arenas. This weed got me laughing like a damn hyena. Yeah, I live a life pretty similar to yours. Used to go to school, hang with friends and play sports. Every single summer taking trips to the shore. And that was all gravy, but I knew I wanted more. Ain't ever seen a young rapper like one. Can't believe they asked, swear it's just a mirage. Still got my training wheels in the garage. But I ain't gonna need no time to go home. Salut à tous, c'est RSTGuitou 80 pour le Real Shark Team. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc je suis désolé mais je suis peut-être pas très présentable, donc je suis pas coiffé ni rien. Vous voyez c'est tard le soir là, je suis dehors sur ma terrasse. Donc ça on s'en fout un peu. Donc premier gameplay sur le nouveau opus de Call of Duty. Donc Call of Duty Ghost comme vous l'aurez deviné. C'était une partie en domination, donc j'ai pas regardé le nom de la carte. Je vous dirai ça un peu plus tard si vous voulez. C'était ma première partie en ligne que je faisais. J'avais hier soir joué un peu en partie perso, c'est-à-dire en local. J'étais même pas allé en ligne. Et j'avais essayé les snipes un peu contre des bots. Donc je vous dirai mes avis un peu plus tard dans la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va super bien là, je suis en train de vous préparer donc une vidéo. Donc vous verrez que dans cette vidéo vous avez quelques petits bonus, donc vous verrez ça, je sais pas si je vous la mettrai dans celle-là ou dans la prochaine, je pense que je vous la mettrai dans celle-là, donc ça vous fera j'espère bien rire. Et n'hésitez pas à lâcher quelques petits likes. Donc si vous voulez on va faire un truc, c'est au bout de 10 likes. Je vous ferai dans mes prochaines vidéos, tout au début, une partie bonus des délires qui se passent les jours où on joue en ligne, etc. Donc voilà, donc 10 likes, donc n'hésitez pas à appuyer en dessous sur le petit pouce qui est comme ça. Donc voilà, donc Call of Duty Ghost, donc pour en revenir à ce jeu, donc jeu qui est quand même pas mal on va dire. Personnellement je préfère quand même Call of Duty Black Ops 2 pour le sniper uniquement. Je trouve que niveau sniper il est pas très pratique puisqu'on peut pas flash cop.
ce qui est dommage. Donc là j'étais en train de jouer avec un sniper, je ne sais plus ce que c'était. C'est pas le L115, c'est un sniper en semi-auto. Donc je suis désolé mais le début de gameplay va être vraiment pourri. Parce que c'était première partie en ligne, je savais vraiment pas quelle arme j'avais, etc. Et puis sur la fin, en fait, là j'étais exactement en score, j'étais à 0-3 déjà. Donc ça commençait déjà à faire mal quand même au niveau du score. Et il faut quand même conserver mon ratio, même si je joue pas au ratio. Vous allez voir qu'en fin de partie quand même, je vais quand même bien remonter, je vais finir dans le positif. J'étais bien parti en série d'ailleurs, et voilà. Donc je vous laisserai découvrir ça. Donc pour en revenir à ma précédente vidéo, donc mon premier face commentary. Donc j'espère qu'il vous aura plu quand même, puisque je trouve que le nombre de vues est monté quand même sacrément vite, en même pas une soirée. On avait déjà atteint les 45 vues, ce qui est quand même énorme, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Là vous allez voir, hop, troll. Il a essayé de me troller, mais je me suis retourné et j'ai réussi à lui mettre quelques balles. Donc parlons un peu de Ghost. Donc Ghost qui est sorti mardi 5 novembre, si je ne me trompe pas, ou le 6, non le 5 je crois. Donc franchement, mon avis personnel, donc je pense que les cartes sont beaucoup trop grandes. On aurait tendance à confondre un peu avec Battlefield, qui les cartes sont vraiment immenses, c'est-à-dire là vous allez pas vraiment le voir parce que j'ai pas fait trop le tour de la map. J'ai plutôt essayé d'aller dans les endroits que je connaissais à peu près, c'est-à-dire que j'avais déjà, où j'étais déjà passé pour essayer de tuer l'ennemi, ce qui je trouve qu'ils revenaient souvent sur leur pas quand même. Ils ont même essayé de spawn kill, donc vous allez le voir un peu plus, je crois que c'est par là dans la vidéo, où ils vont commencer à nous spawn kill. C'était de la domination. Désolé de ne pas l'avoir précisé. Donc dans cette vidéo, j'étais accompagné de Dark Surprise. Donc vous allez pas l'entendre parce que j'ai pas enregistré les voix. Et donc voilà, donc Dark Surprise, je crois qu'il a même pas fait score positif. Donc là voilà, je commence à me faire tuer dans le haut. Donc il a pas fait de score positif. Je me rappelle plus si on a gagné ou si on a perdu la partie. Je crois qu'on a perdu la partie, mais bon. Tant que le score est positif, c'est pas important. Donc j'espère que ce petit gameplay vous plaira. Donc c'est pas une partie vraiment géniale, mais bon. Là j'étais à 3-7 je crois. Ouais, 3-7, donc là quand même ça commence à faire mal un peu au ratio si on finit une partie en 3-7 ou même en 3-11. Je crois qu'à un moment j'étais à 5-11 ou 3-11, je ne me rappelle plus. Je me suis vraiment incendié en début de partie. Voilà, donc 3-8 pardon. Donc ça, là je vais faire un kill je crois. Comme ça, ouais, voilà. Non même pas, je l'ai loupé. Donc Ghost, donc niveau graphisme vraiment énorme, mais comme le disaient mes collègues youtubeurs, donc je pense que vous êtes passé avant moi sur les vidéos de Ghost, donc sur le, qui sont postées déjà sur YouTube par Gotaga, par Wartech, etc. Ils ont pu souvent répéter que les versions étaient beaucoup mieux sur celles qu'ils avaient essayées à la Gamescom, donc et à l'E3 aussi. Non, à l'E3 ils l'ont pas essayé, je crois que c'est qu'à la Gamescom. Ils disaient que, donc c'était les versions PC sur Xbox One, ils disaient que les graphismes étaient beaucoup mieux faits que sur les consoles anciennes générations. Donc moi je stream sur Xbox 360. Bon, franchement, niveau graphisme, je trouve qu'on n'a pas à se plaindre quand même. Je trouve que c'est déjà pas mal là. Surtout que là je joue avec les câbles U, comme la Vermedia n'est pas HDMI. Mais j'ai un adaptateur HDMI, mais ça change rien du tout en fait. Ça juste pour l'adapter à ma télé, c'est tout. Je pense qu'après un HDMI sur un Game Capture Elgato, je pense que ça va quand même bien rendre. Bon là vous allez voir, le gameplay est pas pourri non plus en qualité d'image. Puisque je stream au maximum, je crois, je sais pas si c'est 720 ou 1080i. Je crois que c'est pas 1080p sur les Avermedia, c'est 1080i. Donc voilà. Donc là, il y avait exactement 134 à 71, donc on prenait un peu la fessée quand même au niveau du score. Hein. Mais vous allez voir que je vais vite remonter. Après, donc au niveau de la team, donc on ne possède pas tous Call of Duty Ghost. Pour le moment on n'est que deux, donc moi et Dark Surprise, donc on était tous les deux sur cette partie. Donc Dark Surprise, je sais plus un score ce qu'il a fait à la fin. Je sais pas si c'était pas du 10 pour 12 ou du 8 pour 12, un truc comme ça. C'était pas terrible, moi j'avais fait du 18-13 ou du 18-15, je ne sais plus.
Non, c'est pas possible que j'ai fait 18-13 parce que je crois que j'ai déjà 13 morts et je crois que je vais mourir plus d'une fois encore. Donc voilà. Donc je vous proposerai aussi une petite partie personnalisée donc avec Dark Surprise. Donc c'était un V1 ou un sniper. Donc vous allez voir quand même en ayant joué un petit peu sur quelques maps que je commence à quand même m'habituer, comme je sais pas si vous connaissez comment il s'appelle. Bon, peu importe. C'est une petite carte, enfin vous verrez bien dans le prochain gameplay. Donc voilà. Donc je vous ferai un petit montage aussi des trickshots que j'ai pu mettre en ligne récemment là. Qui franchement nous ont bien épaté. Donc j'en ai placé deux sur Black Ops 2, c'était par contre. Je ne les ai pas mis sur Ghost, puisque Ghost je le possède que depuis samedi, mais que je n'y joue que depuis hier soir. Enfin dimanche soir exactement, puisque je sais pas quand je vais vous poster la vidéo. Donc je possède que depuis dimanche soir officiellement on va dire, parce que j'étais en week-end et j'avais pas pris ma Xbox, donc j'avais pas pu y jouer. Donc je pense que ceux qui sont un peu comme moi et qui sont quand même pressés d'y jouer, ben on peut les boules d'acheter le jeu et de pouvoir regarder que la jaquette sans pouvoir y jouer. Et voilà. Donc après, donc GTA 5 je l'ai vendu puisque franchement je trouve que c'est vraiment un jeu lassant. Je m'en suis lassé assez vite quand même. J'ai vendu ainsi aussi Far Cry 3 pour pouvoir m'acheter avec ces deux jeux Call of Duty Ghost. Donc je vous le déconseille pas quand même parce qu'il est franchement bien. Et si vous avez l'occasion au pire de l'essayer avant de l'acheter, faites-le quand même, comme ça vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, et ben voilà. Parce que chacun son avis, hein. Je connais quand même pas mal de personnes qui n'aiment pas Call of Duty. Et certaines personnes ont été quand même déçues de ce jeu, du mode en ligne surtout. Personnellement c'était ma première partie en ligne, donc je savais pas comment ça allait se passer. Mais franchement ça. Je pense que je me suis bien émerdé. J'essayerai dans les futures vidéos donc de vous sortir les Chem Strike, si j'y arrive bien sûr. Parce que je ne suis pas non plus un PGM de la mitraillette, ou j'essayerai au snipe, on verra. Quand j'aurai débloqué mon USR ou mon L115. Donc niveau snipe, j'ai essayé le L115 et l'USR. Donc mon avis personnel, l'USR est beaucoup plus puissant que le L115 et niveau maniabilité est beaucoup plus maniable. Donc voilà. Donc je crois que j'ai débloqué mon chien, enfin j'en suis pas sûr, ou c'est par là que je vais débloquer mon chien, je m'en rappelle plus. Donc c'était la première fois que j'ai bloqué cet atout, en partie publique bien sûr, parce qu'en partie personnalisée je l'ai sorti plusieurs fois hier soir. Bon, le chien c'est pas mal, mais bon il se fait quand même vite tuer. Donc voilà. Donc après ce qui est vraiment réel, c'est la santé sur ce jeu, c'est quand même bien abusé, on vous met 3 balles et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, la partager et de liker. C'était RST Guitou, et ciao tout le monde.